Astuce 3, régulation de la compréhension. Après la lecture du paragraphe sélectionné, il est primordial d'enseigner à l'élève à réguler sa compréhension et ce, malgré l'utilisation d'outils technologiques. Dans cette astuce, on rappelle quelques principes enseignés en classe. Tout d'abord, amener l'élève à se questionner sur les informations comprises après avoir écouté le texte sélectionné. Inviter l'élève à faire un rappel du texte à l'intervenant ou à lui-même, selon le contexte. Si le rappel est adéquat, l'élève peut poursuivre sa lecture avec l'astuce numéro 1. Si le rappel est impossible ou insuffisant, il doit recommencer la lecture du texte qu'il vient de sélectionner. Le travail dans la fenêtre de lecture avec un seul paragraphe à la fois oblige l'élève à s'arrêter après le texte sélectionné. Par exemple, je sélectionne le paragraphe comme l'astuce numéro 1. J'ouvre ma fenêtre de lecture. Je commence la lecture du texte. Et lorsque le texte sera lu en entier, donc le paragraphe lu en entier, la synthèse vocale s'arrêtera d'elle-même, ce qui obligera l'élève à retourner dans son texte pour poursuivre la lecture. C'est donc une occasion propice à réguler sa compréhension avant de poursuivre la lecture.